Aujourd'hui, nous allons décortiquer un roman qui m'a été proposé lors d'une participation au jury du Choix Goncourt Algérie. C'est un roman qui a fait polémique lors de sa parution dans son pays d'origine en 2017 et qui continue encore à faire parler de lui à l'échelle internationale depuis son édition en France. Le roman en question s'intitule « Les impatientes » de Djaïli Amadou Amal, que la presse camerounaise surnomme « La voix des sans-voix ». Vous l'avez compris, aujourd'hui nous partons au Cameroun pour découvrir à qui cette écrivaine donne sa voix, qui sont ces impatientes et en quoi vont-elles nous intéresser, nous lecteurs étrangers. Pour répondre à ces questions, nous allons disséquer ce roman afin de connaître ses éléments constituants, c'est-à-dire le milieu dans lequel le roman prend son origine, le style qui s'épanche, la fiction qui suscite l'imaginaire et le message qui se dégage d'entre les lignes.